Depuis l'invention des premiers systèmes de communication électronique dans les années 1830, le monde a bien changé. Les technologies de l'information et de la communication, TIC, évoluent de plus en plus vite en redessinant les contours du monde qui nous entoure. En 1998, les Nations Unies ont proposé que soit engagé un nouveau type de débat mondial sur l'incidence des technologies, le Sommet mondial sur la société de l'information, ou SMSI, pour faire court, a donc été la première rencontre au niveau le plus élevé des Nations Unies qui était ouverte à tous. Nous avons voulu connaître le point de vue de chacun, partout dans le monde, car si les technologies permettent réellement d'améliorer nos vies, personne ne doit être exclu de ces échanges. Ensemble, la communauté mondiale a adopté un cadre pour encourager l'accès équitable et le développement au TIC. Dans les 10 ans qui ont suivi, ces principes ont permis de définir des initiatives au niveau mondial visant à mettre les technologies au service du développement et de l'innovation. Aujourd'hui, le processus du SMSI constitue un dialogue mondial, inclusif et permanent qui vise à garantir que nous tirons pleinement parti des avantages des TIC pour atteindre les objectifs de développement durable. Et chaque année, le forum du SMSI donne l'occasion à la communauté mondiale de faire le point sur les progrès accomplis et les lacunes qui subsistent. Le SMSI est, encore à l'heure actuelle, la tribune mondiale la plus ouverte, inclusive et accessible pour les discussions sur l'évolution des technologies et l'amélioration de la vie de nous tous. Les TIC sont un élément essentiel pour parvenir à un développement mondial réellement durable. Faisons en sorte que personne ne soit laissé pour compte.